Bonjour à toutes et à tous, c'est Ponycraft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera construction de ma maison 2 partie 3. Donc alors je sais pas si c'est passé mais ça a pas filmé donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un aquarium, j'avais mis des poulpes dedans mais ils sont plus dedans, je sais pas pourquoi. Et après j'ai fait une petite cheminée en brique. Et j'ai fait aussi l'étage du coup. Donc j'ai changé de skin. Et je pense que je le garderai peut-être tout le temps. Donc j'ai fait un petit jardin. Un petit endroit pour manger s'il fait beau. Un petit bac à sable avec de l'eau. Et des petites fleurs. Quand j'aurais fait une vraie ville avec plein de maisons, des maisons de mes amis, de tout, et ben ça sera super beau. Alors. Et j'ai fait la salle de bain. J'ai fait 2 lavabos. Donc ça c'est la pomme de douche. Une des toilettes avec du papier toilette. Un petit jacuzzi on va dire. Une petite douche. Donc ça c'est... du minerai de lapis-lazuli. Moi j'ai mis comme si ça représentait des bulles. Et là c'est pour faire la pomme de douche. Alors là j'ai mis des pierres lumineuses, de l'eau et du verre. Voilà. Donc je vais faire encore 2 pièces. Il y aura une pièce là, une chambre de fille et une chambre de garçon. Et ça fera tout. Donc alors... c'est quoi déjà? Ah oui. Ouais. Zer. Claire. Voilà. Donc après, on va faire, on va mettre 2 lits, un là et un là, de la laine, un petit, enfin 2 petits pots de fleurs avec, je vais mettre une petite fleur, voilà, et je vais faire une télé. Donc pour faire une télé, je vais utiliser de la laine noire, une bibliothèque et des dalles en pierre. J'attends moi. Je laisse 2 carreaux. Hop. Et la bibliothèque juste là. Et en même temps, je vais faire un bureau. Comme ça, je vais faire un bureau avec des livres en dessous. Est-ce que ça fait bien? Non, après, ça fait trop libre. Je vais plutôt mettre des planches d'acadia. Comme ça. Et je prends des dalles en bois d'acacia. Je fais faire. Voilà, c'est mieux. Ici. Comme ça.
Et je vais faire une petite deux ordinateurs. Donc je mets de la laine noire ici, de la laine noire là et là. Donc je vais couvrir avec les trous. Et je vais mettre des tapis. Donc c'est le vieux ordinateur, hein. Des tapis gris clair. Par contre là je vais mettre je vais recouvrir les murs et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là j'ai terminé. J'ai mis du vert ici et du vert là parce que sinon je trouvais que c'était pas très très beau. Et j'ai mis une armoire et j'ai fait un petit truc. Donc là je vais mettre des échelles. Je l'ai pas terminé. Alors en fait, une petite cabane on va dire. Donc là on fait ça, donc on monte par là et en fait là il y aura un petit endroit tranquille, on pourra. Non, je pense que je vais faire alors on prend de la laine rouge, je vais faire toc toc. Et je prends de la dalle de quartz. Et là, je vais refaire la télé. Hop. Voilà. Et après, on va faire un petit endroit pour manger. Je vais rajouter des lumières et je vais mettre du vert de couleur. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai mis des vitres. J'ai fait une petite table pour manger. Et voilà. Donc je vais faire un tout petit peu. On se perd dans cette chambre. Je vais faire un tout petit peu l'autre chambre, mais je vais pas la terminer complètement. D'ailleurs je vais faire une vidéo, mais je vais mettre des dalles de quartz partout, des blocs de quartz partout. Et je sais pas si j'aurai le temps de continuer, mais voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé ma maison. Donc j'ai fait exactement pareil. Ah mince, j'ai oublié de mettre les fleurs. Exactement pareil pour le garçon. Voilà, une petite télé, là un grand espace, voilà, une armoire, et là j'ai fait un petit balcon, voilà. Oui, j'ai oublié de vous montrer dans le jardin, en fait, j'ai mis des petites plantes, c'est tout. Voilà, moi je trouve qu'après c'est trop chargé, donc j'ai pas voulu en mettre plus. Et après je vais m'attaquer à d'autres choses, je vais faire encore deux autres maisons, qui sera la maison... D'une amie à moi qui s'appelle Lila. Si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi Lila. Et la fille qui m'a aidé à faire le parc d'attractions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. Bye.